Fils de Cadoudal confirmé, père de la jeune star d'Auteuil Farlo Demotte, voici Maresca Sorrento, étalon au Haras du Lion en 2014. C'est l'un des derniers fils, comme Saint-Dessin, de Cadoudal, le chef de race de l'obstacle français. Comme attendu de par sa naissance et ses propres victoires à Auteuil, c'est sur l'obstacle que Maresca Sorrento a déjà démontré son talent d'étalon, qui en a fait un incontournable avec ses résultats en plus de son modèle massif et sa taille d'1m71. En 2013, Maresca Sorrento a donné son jeune joyau Farlo Demotte, si impressionnant vainqueur du prix Murat groupe 2 après avoir laissé sans voix l'opposition dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre groupe 3. Le dernier obstacle en vue à présent pour Farlo Demotte, le numéro 3, qui a pris 2-3 longueurs d'avance sur Albuck. Pibrac est en 3ème position devant Belle Lavie, avec Farlo Demotte, le numéro 3, maintenant qui va tenter de se mettre hors de portée de ses rivaux. Farlo Demotte qui va offrir un joli doublé à son entraîneur François Nicole. Farlo Demotte qui va remporter cette édition du prix du Robert de Clermont-Tonnerre 2013. Farlo Demotte s'impose très facilement. Deuxième place pour Belle Lavie, le numéro 8. La troisième place, on aura au numéro 7, Albuck, devant la Scooby sur ongle. Et le 10, Pibrac. Candidat digne du grand steeplechase de Paris, Farlo Demotte fait encore mieux que Rescato de Lust et Marek Sou, déjà gagnant de groupe 3 à Auteuil pour Maresca Sorrento, dont le prix du président de la République est le Jean Stern. Aussi très efficace chez les AQPS, il est père de mère de Voilà de nouveau, Maresca Sorrento a fait tout le début de sa carrière au Haras de la Rousselière et a été recruté par le Haras du Lion à 2000 euros en 2014.